Alors, chers mes amis, alors là, on continue, on commence le vif du sujet. La simcha, la joie, qui est le but de notre vie, de vivre la Torah avec joie. Alors, on a vu dans les deux premiers cours du Orchot Tzadikim, le côté dangereux, négatif, quand la joie n'est pas bien orientée. Et là, on va rentrer dans la bonne joie. La joie qu'Hachem nous demande, on l'a lu dans la paracha, les malédictions, elles viennent parce qu'on ne sert pas Hachem avec joie. Je donne toujours cet exemple pour comprendre. Imagine, tu rentres chez toi, t'as soif, tu t'en peux plus. Et tu demandes à ton fils, ta fille, s'il te plaît, amène-moi à boire, j'en peux plus, je me sens pas bien. Imagine ton enfant, il vient comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends le verre, tu lui balances sur la tête. Tu dis, attends, comme ça, c'est ça le kavod de ton père? Tu fais la tronche? Eh bien, si on fait les mitzvot en faisant la tronche, on n'est pas content. Ça montre qu'au fond, on n'aime pas Hachem, on n'aime pas la Torah. C'est la raison pour laquelle la joie et la mitzvah la plus importante de la Torah, Hachem nous demande de faire. Les misotes avec joie, c'est un signe qu'on aime notre père. Comme un enfant, il est heureux de rendre service à son père, à sa mère. Alors on y va. Ceux qui ont le livre devant eux, page 71. Bemidat asimchat ou amizvat asehazikat marotav. Regardez, ce qui dépend beaucoup de la joie, c'est le fait d'accepter les événements qu'Hachem nous envoie. Veadat atlevafra, tu sauras, c'est un pasouk. Kachayasa ishet beno adonaiham yasereka. De la même manière qu'un père punit son fils, Hachem te punit. C'est-à-dire que les amis, chance que tout ce qui nous arrive vient d'Hachem. Et que même quand c'est des épreuves, mais c'est de l'amour. Hachem, dans sa miséricorde, il veut nous réveiller à faire tchouva. Il nous efface notre dette. Il nous efface nos fautes. Alors c'est plus facile d'accepter et de remercier, même quand c'est des choses qui sont a priori négatives. Imachad Adam Olam Haba. Regardez ce qu'il dit. Quand on n'a pas fait tchouva, alors Hachem, il nous paye dans la monnaie qu'on veut. Tu veux l'argent, c'est ça qui est important pour toi? Hachem va te donner l'argent. T'as peur d'attraper le virus, c'est-à-dire, tu l'attraperas pas. Mais ce sera ta récompense dans ce monde. Ça, c'est avant qu'on fasse tchouva. Keder Dosé, parce que Akadosh Baruch Hu, il paye les réchaînes dans ce monde, dans la monnaie qu'ils veulent. Mais quand on fait tchouva, alors il se peut effectivement qu'on aura certaines épreuves, mais c'est une bonté d'Hachem. Il nous remet les compteurs à zéro. Donc ça part avec des petites caparottes, des petites choses. Regardez ce qu'il dit. Kolze, tout ça dépend de la simcha. Qui ou sa mère, tout ce qu'Hachem nous donne, Shechalak Hachem Bar. Les amis, ça c'est le cœur de tout. Quand on a l'aimuna, que tout vient d'Hachem, que c'est notre Père qui nous envoie le mieux pour nous, eh bien on est sa mère. Quand tout va bien, et même quand c'est difficile, parce qu'on sait que c'est pour notre bien, et c'est comme quand nous on doit punir nos enfants, bah, des fois il faut les punir, il n'y a pas le choix, eh bien c'est pareil pour nous, c'est pour nous réveiller. Ah, Hadera Shismach Adam Bechelko. Et là il nous dit le Rav, comment on doit être joyeux. Écoutez bien, le bitachon dans Akadosh Baruch Hu. Il va expliquer chaque chose. Deuxièmement, la emuna, la croyance. Vous allez me dire quelle différence, on va voir. Troisièmement, le sechel, l'intellect. Quatrièmement, istapkut. On doit se contenter de ce qu'Hachem nous donne. Amar ha-chacham, il a dit le chacham, kol adam tsagader, vesat samet kaimu masavato. Un homme, on a besoin de barrières pour que toutes nos bonnes actions soient bien faites. Magader, c'est quoi la règle? C'est quoi la barrière? C'est quoi la chose qui va faire que toutes nos bonnes actions vont être positives? Regardez ce qu'il dit. Et ben, nos épreuves qu'on a dans la vie, nos problèmes, on doit les jeter à Hachem. Et là, Hachem, il va tout de suite les récupérer. Ezedava mevifta b'Hachem, maintenant, qu'est-ce qui va nous permettre d'atteindre la confiance dans le maître du monde? Zoï Aemuna, c'est la Aemuna, la croyance dans Akadosh Baruch Hu. En fait, la croyance, les amis, c'est théorique. Je crois à Hachem, j'ai la Aemuna que tout est dirigé par Hachem. Le bitachon, c'est pratique. Parce que tu peux avoir la Aemuna et faire la trompe toute la journée, être triste. T'as la Aemuna, peut-être, t'as peut-être la Aemuna, mais t'as pas de bitachon. Donc la bitachon, la confiance dans Hachem, on doit traduire dans notre joie la Aemuna que j'ai dans le maître du monde. Mitor Shema Amin, étant donné que tu crois vraiment dans le maître du monde, Kol Hatzlachato, et tu as l'aimuna que toute ta réussite dans ce monde-là et dans le monde futur, Akol Mimenu, tout vient de lui, En Acher, il n'y a rien d'autre. Noten Libo, tu vas donner ton cœur pour l'aimer, pour aimer Hachem Bechol Evavo de tout ton cœur. Tournez la page. Ouma Geder Aemuna, maintenant, comment on peut définir l'aimuna? Eved Amakir Adona, regardez, c'est comme un serviteur. Il reconnaît que son maître, il est généreux. Meshalem Loseretsono, et qui lui donne un grand salaire. Ou Bacharbid Mishartavodakasha.
Mais il sait que si son maître lui donne plus de travail, il va lui donner plus de salaire, comme vos employés. Tu as des patrons, ils sont intelligents. Un patron intelligent, s'il demande plus de travail à ses employés, il lui donne des commissions supérieures. Il faut le motiver, c'est normal. Mais quand tu te rappelles le mérite que tu as devant Hachem, eh ben c'est plus facile. Aval eved aru adona mefakea, mais non. Si le serviteur voit que son maître, c'est une barre de fer, Yoda Belibo, et il sait très bien que de toute manière, il n'aura pas un salaire supplémentaire, il sait son patron, il le paye en retard, il le paye mal, il embrouille, eh ben, t'étonnes pas que tes employés ils vont se barrer. C'est à cause de toi. Ama mine mouna shlema, celui qui a une vraie mouna dans le Créateur, ou métiv, qu'Hachem, il nous fait du bien. Chou dayan emet, qu'il est vrai, il nous juge d'après le emet. Kol maché, on sait que tout ce qu'il nous fait, c'est pour notre bien, et qu'il nous donne un grand mérite. Al kol avoda shirut yaseh l'Hachem shamayim, et tout ce qu'il fait, il va le faire pour Akadosh Baruch Hu, comme c'est écrit par exemple. Regardez, Nebuchadnezzar, regardez, des fois on apprend de la récompense des Rechaim. L'Agma dit Nebuchadnezzar, Nabucodonosor. Des avérotes très très graves. Kinyam Asinou Bessav, Essav, chez Nizar qui faisait beaucoup le kavod de son père, alors que sa mère il méprisait, mais il faisait beaucoup, il changeait même de vêtements pour son père. Et ben il a mérité la richesse.